j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en votre compagnie sur FIFA. Bon, on l'avait beaucoup demandé. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que la qualité, ça va bien rendre aussi. Parce que vous m'avez demandé, donc moi, je fais ce que vous me dites. Je vous écoute quand même. Vous me demandez à chaque fois, ouais, au collège surtout, ouais, Louis, tu t'as dit dans ta vidéo présentation de faire de vidéos de FIFA, mais t'en as toujours pas fait. Donc j'ai trouvé comment faire et maintenant, bah, je vais le faire. J'espère que la qualité ça va bien passer aussi parce que je ne sais pas trop. Comme je regarde pas, bah, je peux pas savoir. Donc, bah, si c'est tant mieux, si la qualité c'est bon, bah, voilà quoi. Alors oui, je fais Nice Monaco. Au moins, bah, j'avais déjà commencé le match. Au moins, je vous montre un peu comment je joue. Au moins, c'est fait. Vous voyez un peu comment je joue. Et après, on va faire quelques matchs. Je ne sais pas trop. Bon, moi, je joue pas en ligne, hein, par contre, hein, parce que je me prends des. J'ai joué une fois en ligne chez mes cousins. Je me suis pris une tôle. Donc, bah, je joue en solo, tranquillement. Donc voilà quoi. Bon, Nice, bah, je suis sur FIFA 16 donc avec l'Xbox One. Donc Nice, bah, elle n'est pas mise à jour. Donc petit pas du pied. Ah, but. Corner. Moi j'espère que la qualité ça passe quand même. Parce que voilà, comme par hasard, quand je filme, y a ça qui passe. Et du coup, quand je filme pas d'habitude, et bah, ça le fait pas. Donc ça me fait yesh un peu. C'est Ri qui est bien fait quand même. Bon, d'habitude, quand je joue sans caméra, je fais que de tacler et tout. J'ai dit, je vais essayer de faire un gameplay assez bien. Donc. J'avais pas envie de tacler tout le temps. Enfin, de temps en temps, je taclerai, mais pas tout le temps, quoi. Parce que j'ai pas envie, en plus, c'est chiant. Ouais, bon, alors, si la vidéo à l'heure va sortir, ça va être tard, quand même, parce que je vais essayer de faire une vidéo assez longue pour la première. Et la démo de FIFA 17, je l'ai toujours pas vue. Je crois qu'on peut l'avoir sur Xbox One. Mais je ne sais point. Donc, bah, j'espère que ça passera, quoi. Et quand je regarderai la démo, je la montrerai aussi. Enfin, je jouerai en même temps. Moi, si vous n'entendez pas le son, c'est que j'ai pas envie de monter, quoi. Parce que sinon, quand je parle, vous n'allez pas m'entendre. Alors, je préfère. Alors, Pléa, franchement, j'aime Nice. Mais franchement, Pléa, il est trop nul. Voilà, bon. Bientôt à la fin de la première mi-temps. Bon, si je parle pas trop, c'est que je suis assez concentré quand même. Alors, voilà les stats de la première mi-temps. Ça va quand même. Bon, j'ai pas vraiment de possession, mais après, voilà quoi. Je joue que pour m'amuser. Bon, allez. C'est moi qui engage, espérons que je vais réussir à marquer quand même. Parce que bah, il faudrait en fait que je marque un peu. Bah, juste avant j'ai fait une compète, je l'ai gagné en coupe nationale. Bon, je joue en semi-pro, moi je suis pas une légende. Mais quand même en semi-pro je joue assez bien. Ça peut aller quoi. Et voilà, mes habitudes de tacler, ça y est, ça reprend. Ça peut m'énerver ça des fois. Parce qu'à chaque fois que je joue, quand je joue contre mon frère ou contre mon beau-père, ils me font tout le temps « Oh, t'es un bourrin, tu fais que tacler et tout. » Mais voilà quoi, tacler c'est la base. En plus, je sais tacler, donc ça passe. Bon, allez, la touche, elle est pour moi. Allez. Enfin, je crois. Ah non, même pas. Allez, base. Base, franchement, à Nice-Schalke, il a fait un bon match. Cosiello, il s'est fait bouger comme une petite fille. Merde. Bon, j'espère que bah, ça vous plaît. J'en ferai plusieurs comme ça.
Parce que je l'ai dit, j'en ai pas fait des masses, donc là je vais en faire assez souvent. Bah, dès que je pourrai, j'en ferai. Et voilà, au moins je fais ce que j'ai dit, quoi. Parce qu'après, si je dis que j'en fais, mais que au bout d'un ou deux mois, j'en fais pas, voilà. Je le vois. Ah, j'aime pas les coups francs. Je vois rien dans les coups francs. Ah, ça va. Et quand je joue avec mon frère, bah, je le lamine en fait. Touche. Bon, ça va encore, je joue assez bien, mais voilà, enfin. Nice, c'est pas. Bon, Nice, ils sont bons là cette année avec Balotelli, Dante, Belanda. Ils ont une bonne équipe, mais enfin voilà quoi, faudrait qu'ils tiennent quoi. Parce que dans les matchs qui arrivent là, il y a Monaco qui arrive, contre Montpellier, ils ont fait 1-1. Et ben. Tu vas changer de possession. Bon, après, si vous voyez que je suis nul, hein, franchement, je suis une grosse merde à FIFA, mais je sais jouer quand même. Je suis plus fort en défense qu'en attaque, en fait. Parce qu'en attaque, bah, moi, quand je jouais au foot, j'étais défenseur, donc. Bon, moi je fais pas trop de gestes techniques, je joue simple, je préfère faire la simplicité que faire complexe et faire du déchet tout le long. Alors vous avez sans doute dû voir la vidéo Clash Royale, il me semble, qui est sortie hier, enfin ce matin. Enfin, j'espère que le gameplay va pas être trop dégueulasse en fait. Et le but? Ah! Quel dommage. Eh, Ben Arfa, allez, marque un peu. Parce que la saison dernière, t'as bien marqué là. Bon, bon voilà, bon l'action, on s'en fout un peu. Parce que j'ai eu un problème avec le téléphone. Oui, je fume avec mon téléphone. Moi, je le mets. Je fais le montage vite fait, je regarde si tout est bien. Et après, je mets sur YouTube. J'ai pas envie de me casser la tête à faire le gros montage. Oh, et tout le bordel. Bon. Bon voilà, à ce match je vais faire direct les pénalties. J'ai pas envie de me casser la tête. J'ai eu plein, regardez ici là j'ai failli me prendre un but. C'était vraiment très 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 chaud. J'ai eu super chaud. Et là regardez l'action, presque. C'était vraiment chaud 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 chaud. J'étais deg. Là, il n'y a pas faute, hein. Franchement, je touche le ballon. Non, je déconne. Mais sinon, j'espère que ça va vous plaire. Parce que vous me demandez souvent et vous me faites coller surtout. Ouais, Louis, pourquoi t'as pas. Tu fais pas des vidéos et tout. Bon, on va faire direct la série de pénaux. Bon, je commence, allez. Ben Arfa, faut qu'il marque. Hein. Oh non! Regardez.
maintenant. Ah, ça y est, j'ai perdu. Il faut que je remarque là, il faut que j'en arrête un. Yes. Ça va, faut que j'arrête là. Un peu. Oh non, ils me prennent deux fois contre-pied là, c'est pas bon. Faut que je l'arrête là, faut que je l'arrête. Non, j'aurais pu l'arrêter. Non. Non. Oh non. Faut que je l'arrête. Oh mais non, je plonge au bon endroit en plus. Je suis dégoûté. Je suis deg. T'as son vieux penalty là, en plus je plonge au bon endroit. Franchement, je suis dégoûté. Oh, il a plongé à la fin là. J'arrive même pas à parler tellement que je suis dégoûté en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, on va faire un petit classico à l'ancienne. Non, on prend le maillot. On a débloqué les maillots en solo aussi. Au moins, j'ai plusieurs maillots. On va prendre celui-là. Par contre, le Real, si je vais prendre celui-là, les anciens, je préfère. Parce que les sponsors, ça va, ils marquent, mais il y a 100 plus, voilà. Donc c'est mieux. J'espère que la vidéo vous plaît. Un petit classico comme ça. Là je vais faire le dernier match. Et après on va se laisser sur ce match. Par contre je suis vraiment nul à cet entraînement, je le déteste. Je marque une fois sur un milliard en fait. Pour une fois que je le réussis celui-là. Parce que d'habitude j'y arrive pas en fait. Voilà, fallait que je tire dedans comme un zbou. En fait, il n'y a que sur les côtés que je marque. Là au milieu, ça passe même pas dans le tunnel. Je suis vraiment une merde. Voilà, je suis trop nul. Je suis vraiment très très nul. Hein. Franchement, faut pas prendre exemple sur moi. Bref. On va directement au match. Bonjour et bienvenue à vous pour ce match de championnat. Franck Sauzet est avec toi pour nous faire vivre cette rencontre. Quel match? Je vous laisse tout, moi, vous voyez. Que ce soit Barcelone, Real Madrid, je vais vous préciser la rivalité entre ces deux clubs. Voilà, un petit classico, tranquillement. Et après, on va se laisser sur ça, hein, parce que moi, j'ai mon petit frère à aller chercher à l'école après. Faut que je fasse une autre vidéo en attendant. Donc, le petit Léo Messi, qui est franchement assez bon quand même. Et le petit Ronaldo, que je suis vraiment dégoûté. Mais quoique, peut-être on va pas cesser ce match, on va peut-être faire la finale. France-Portugal, la finale de l'Euro. Et on va voir qui c'est qui devait vraiment gagner. Donc franchement, le Barça, je suis fort avec. Mais je préfère l'Atlético quand même. L'Atlético, j'arrive mieux à la gérer l'équipe. Je connais mieux l'équipe. Donc voilà quoi. Bah, je voulais faire Real Atlético, mais je le fais souvent. Et j'essaie à chaque fois, entre guillemets, comment ils vont réagir les joueurs et tout. Alors, faut que je varie un peu quoi. Voilà, je suis en semi-pro. Je prends un but dès le début. 7 minutes de match, je prends un but direct. Bon, c'est pas grave. En plus, j'ai pas la balle, donc je suis pas habitué. Mais... Comme d'habitude, j'ai la balle. Bah, je suis pas habitué, quoi. Ah. Vous avez vu, je peux marquer, hein. Mais c'est comme ça, ça veut pas rentrer. Voilà. Petite action de Messi. On appelle un deuxième joueur. On soutient. Neymar, la tête. Tête de Modric. Iniesta, franchement, c'est le joueur que j'adore. Il est trop fort.
Alvarez. Ah, ouais, oui, je peux marquer, mais ça veut pas. Désolé pour le camion qui vient de passer juste devant chez moi, je sais pas ce qu'il fout. Normalement, ça passe pas devant, mais bon, c'est un peu con, les gens le font. Voilà, bon, par contre, là, si vous m'entendez quasiment pas parler, c'est normal. Faut que je me concentre, faut que je marque. Et le but. Oui, oui, j'ai marqué. Oui, je suis revenu, c'est bon. C'est bon. Il est là, le Barça, il est là. En deux temps, j'ai failli me louper. Au dernier moment, là, c'était chaud, chaud, chaud. Et il passe au poil de cul, il passe. Hein. C'était vraiment, je crois que j'allais me louper. C'était vraiment, vraiment dur, dur, dur. Hein. Je marque 14 minutes après, ça fait un peu match équilibré quand même. Parce que le Real et le Barça, c'est l'Atletico, quoi. Enfin, c'est l'Atletico. C'est, tout le monde fait ça, j'ai remarqué. Mais moi, j'avais envie de le faire pour voir un peu, contre une équipe assez bonne, comment je jouais. Moi, vous le voyez, quoi. Allez. Moi, je m'en fous, mais non, voilà, je suis énervé, je tape. Oui, Piqué. Magnifique tacle de Piqué. Moi, je m'en fous, je tape dans la surface. Je prends pénalty, c'est pas grave. C'est le foot, quoi. Tête. Oui. Oui, le deuxième but. Regarde la célébration. Voilà. Il est là, le Barça. Contrôle, petit plat du pied. Il est beau le but, il est beau. Et voilà, je prends le deuxième. Et non, oui. Oh, la chance. Bale, il est vraiment nul des fois. C'est vrai, genre le mec, ouais, je suis fort et tout. Mais regardez, le ballon qui touche la barre. Mais en même temps, quand t'es joueur, t'es dégoûté quand tu fais ça. Hein. Allez, voilà. Ça commence, je fais de la merde. Voilà, moi je le dis clairement. Ouf. Allez, Neymar. Hey, Neymar. Neymar, Neymar toujours, Neymar toujours va au but, Neymar va au but, ah. Oh, la possession par contre je suis vraiment nul, je suis 35 de possession, ils en ont 65, moi je m'en fous, je veux marquer, je veux gagner, voilà, on sait tout, allez piquer, ah dommage, la belle tête de Piqué là, franchement, belle action. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Bon, moi aujourd'hui j'ai fini les cours à 2h parce que la prof de sport elle était pas là. Donc bah elle est pas là, donc j'ai fini tôt. Ça c'est plutôt, ça m'arrange. Bah, j'ai 34 de possession, ils en ont 66, je suis deg quoi. C'est pas grave. Moi je fais pas de changement, je joue comme ça. Et maintenant on fait tourner. On mène le score, on va faire tourner.
Allez, Messi qui est passé. Centre à Suarez. Ah, Suarez, il est trop, il s'est trop avancé. Fallait qu'il revienne un peu. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il n'y a pas faute, monsieur. Oh oui. Oh oui, Suarez. Et le but de Suarez. Et le but. Non. Chidegg. Bon, on va voir si ça rentre. Ah, Chidegg. Bon, en même temps, c'est obligé. Vas-y, va la chercher. Va la chercher à là-bas. Alba. Alibaba. Non. Ah, j'aurais dû revenir en arrière. C'est pas grave. On mène, on s'en fout. On est des fous, nous. Bon, bientôt, là, il y a Nice-Monaco, comme je vous ai montré au début, là. Il y a ceux qui ont pris le pack, franchement, ils ont bien fait. Ils ont pris le pack pour avoir les matchs de Nice, là, les trois matchs qu'il y a. Nice-Schalke, Nice-Krasnodar et Nice-Salzbourg. Ceux qui ont pris ça, franchement, ils sont bien. Ils gardent leur place et tout, ils payent une fois, ils ont toujours leur place. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, Messi, ta vitesse. Profondeur pour Suarez. Non, je voulais faire la pute. J'avais envie de prendre et de marquer un gros but de Rasso. Ah, la défense, elle est là. Toujours. Piqué, on m'a dit que c'était le meilleur défenseur du monde. Bon, après, faut voir. Il y en a plein de défenseurs qui sont bons. Ah, la tête profondeur d'Inista. Il a essayé. La tête plongeante, il a essayé. Il n'a pas réussi. Il avait un joueur devant. Voilà. Attention. Rakitic. La tête. Oh, je suis dégoûté. Et Messi qui saute à la tête. Mais oui, bien sûr. T'es Suarez là, il va marquer, c'est obligé. Il l'a fait trois fois là. Il va marquer. Pas possible. Je vais marquer. Je dois marquer. C'est obligé pour faire un gros trou là, pour être tranquille, après pour pouvoir faire tourner. Non. Oh la chance que j'ai eue. Oh la chance. Non, je tire. Il reste 10 minutes. On va dire 15 minutes si on compte le temps additionnel. Et la tête. Tranquille. Ça va. Moi j'ai fait la faute. Mais de quoi? J'ai rien fait. Attends, faut revoir là, j'ai rien fait en fait. Mais d'accord, c'est bon, vas-y. Bon, on va marquer rien que pour les fériés. On marque comment c'est fait. Regardez, regardez qui y a, regardez qui y a, la tête. La tête. Encore, encore. Non. C'est pas grave, on est encore là. On est encore là. La faute. Oh, il m'arrache la jambe. Ah, Varane. Il est beau, Varane. Il est bien, il est fort. Et le gros tac là, ça sent. Oui. J'ai gagné. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Bon, on se retrouve pour le match de France-Portugal. Bon, comme promis, on se retrouve pour le match. On a joué comme ça la France, je crois, en bleu. Je crois qu'on a fait toute l'euro en bleu, d'ailleurs. Bon, alors qu'on va mettre en remplaçant. Déjà, on met Sissoko, qui a fait un gros match. Je crois qu'il était à la place de Martial.
Mais Griezmann, Sagna, Varane, il était pas là. On va faire une équipe assez potable, quoi. On va mettre Coman, merde. On va mettre Coman aussi. Bon, malgré ses stats un peu bas. Ça, Mandanda. Bon, c'est pas grave, on laisse Varane. Sinon, ouais, l'équipe, ça, elle est bonne, là. Bon, malgré que... Comme j'ai pas fait à 17, ben, je peux pas avoir les équipes à jour, quoi. Donc, voilà, quoi. Oh, ouais, oh non. Voilà, c'était obligé, je sais pas viser, je vise comme un mongol. Ah, je l'ai, j'ai la cible, enfin. Bref, c'est de la merde. Franchement, je l'aime pas, cette entraînement. Bon, allez, une petite finale, là. Au moins, on voit que c'est qui gagne pour de vrai. Bon, après, c'est moi qui joue, hein. C'est pas lui que je gagne, en fait. Voilà, faut leur casser les jambes. Faut leur casser les jambes, faut leur faire mal au Portugal. Voilà, on s'en fout, on tacle. Voilà, le bord de la surface, là, faut tacler. Pas avoir peur. Voilà. Un autre, encore et encore. Mais tu vas pas me la faire deux fois. Eh oui, vous allez pas passer en fait. Même si je fais tout le match là, je m'en fous. Ils sont passés. Ah, Loris, franchement, il est trop fort en fait. Voilà. Je vous retrouve et j'ai failli me bouffer un but comme un mongol. C'est pas grave. Bon, vous avez rien loupé, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, j'étais en train de jouer, je regarde. En fait, j'avais pas remis mon téléphone en vidéo en fait. Donc, bah, s'il faut, je refais tout la fin du match là, sans rien filmer en fait. Donc, je vous aurais laissé avec un gros blanc en fait. C'est récupéré. Et le but. Alors il paraît que Eder, Pepe et je sais plus quel joueur, ils étaient dopés pendant l'Euro. Non mais n'importe quoi. Il paraît qu'ils étaient dopés parce qu'ils avaient peur de gagner. Et Ronaldo a fait le gros 6000 de son genou. Alors qu'il a rien, alors qu'une semaine après, je l'ai vu jouer. Eh, hey, la vitesse de Matuidi. La vitesse de Matuidi. Matuidi toujours. Matuidi qui va tout seul. Et le but. Magnifique but. Je voulais la rejouer derrière à Diarra, j'ai pas réussi. Imparable. Regardez la technique que j'ai employée pour ce but. Magnifique. En fait, bon là je baisse le son parce que quand même, il y a des gens en dessous de chez moi. S'ils commencent à crier, je baisse le son de la télé. On se tait, madame. Donc là, on finit le match et on se laissera dessus. Ça va. Par contre, si je ne finis pas le match, on se laissera là-dessus. Parce que je dois sortir après. L'important, c'est que je n'ai point pris de but. Donc... Bon, on va au moins marquer un deuxième, quoi. Marquer un deuxième. Allez, joue vite. Vas-y, ils sont relous, attends, comme ça. Tête.
mon avis, ça devrait être bon. Et après, là, je dois aller chercher mon frère à l'école. Il a un rendez-vous en sortant de l'école. Donc, c'est pour ça que. Ah, je suis dégoûté. Allez, le deuxième avant la mi-temps, là. Contre de Griezmann. Ciseau, peut-être. Oh. Alors, je vais vous montrer les centres que je faisais juste avant. Avant, je prenais le joueur du fond. Et je lui mettais la balle dessus. Enfin, pas comme ça du tout, en fait. Parce que j'ai fait de la merde. Voilà, c'est la mi-temps, on va se retrouver. Bon, voilà, on se retrouve. Là, je suis chaud. Chaud patate, là. Ah, Giroud. Alors, Griezmann, on l'a pas vu du tout pendant tout le match. On n'a pas entendu son nom. Il est un peu fantôme, le petit prodige français. Eh oui, ce Griezmann, il a été appelé pour être le meilleur joueur de l'Euro avec Ronaldo, sauf que il ne l'a pas été. Et que c'était Ronaldo une nouvelle fois. Et Ronaldo a fait le beau parce qu'il l'a fait genre la tête, c'est moi qui a gagné l'Euro, c'est moi qui a gagné la coupe d'Espagne, là, je sais plus comment on dit, je sais plus le nom. Et là, je gagne ça. Bon, Griezmann, il devait être dégoûté, en fait. La grosse faute. Non, c'est pas grave. On peut jouer. On est des fous. Alors, est-ce que ça va rentrer? Ah, dommage. Corner. Allez, on la joue à deux. Avec Sissoko. Qui a vraiment fait un très bon match. Voilà. C'est battu. Mais qui n'a pas réussi. Alors. Dès que la balle elle sort, je vais faire un petit changement. Je vais sortir Giroud, je vais mettre Payet à la place. On va voir si Payet peut faire un peu mieux que Giroud. C'est comme d'habitude, si je parle pas, c'est que je suis concentré. Voilà. Ah non, le but, non. Ouf. Le gros tac. Hey, la faute. Je parle ballon, le mec il me fait un gros tac, l'assassin là. Bon, on va faire changement, on va mettre Payet. Mais alors, on va mettre Payet là. On va mettre Coman parce qu'il a une bonne vitesse. Le passe de Sissoko. Voilà, là on est chaud là, on a un bon truc. Je sens le bon feeling là. Un tir, un but. Olivier Giroud. Eh oui. Kingsley Coman. Eh oui, il est bon Kingsley Coman, il est fort. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pas exprès en fait, désolé. C'est pas grave, j'ai la balle. Je pense que si j'aurais pas eu la balle, j'aurais eu les boules de faire ça. Mais là j'ai la balle, la profondeur. Alors, Gignac arrive, il va s'imposer. Peut-être. Ah, dommage. Alors si vous entendez le son des touches, désolé, je les défonce. Deuxième. Encore un. Ah. Encore. Il reste 10 minutes là, faut que je me bouge à marquer. Ouf. En même temps, le gameplay, je pense qu'à mon avis, va être bon.
que j'ai pas perdu en fait. En fait, si je perds, bah, je vais dégoûter quoi. Allez, ça y est. Non, la chance que j'ai eue. Yes. Voilà, je joue vraiment en passe. J'optimise au maximum les passes. Ah, Griezmann, il est fatigué. Il est fatigué. Il va faire le centre ici. Peut-être la profondeur. Oui. Pour le but. Oh, pas oh, le but. Oh, le but. Oh, mais le but de malade que j'ai mis. J'ai cru qu'il allait passer au-dessus. Oh, il touche au dernier moment. Oh, il passe dans la lucarne. Regardez ce but. Regardez. Oh, il frôle la barre. Et le gardien qui s'écrit pour Superman. Il se loupe comme une merde. Franchement, je suis content, voilà. Avant la fin, là, on fait le break. Ça, c'est bien. Et ça, ça, c'est bien. Allez, c'est fini. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, mettez un commentaire si vous voulez que je continue. À mon avis, c'est obligé. Allez, les boys, ciao!